combattre les tabous sur l'handicap, essayer aussi de aller au-delà aussi des préjugés. Même si il y a beaucoup d'embûches, eh ben on y arrive toujours. Donc, je suis intervenante sociale au centre provisoire d'hébergement d'Adoma, à Metz, en Moselle, où on accompagne les réfugiés dans leur démarche d'insertion pour favoriser leur intégration en France. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu expliquer mes missions à Alexandra et puis lui montrer le travail de terrain qu'on fait auprès des réfugiés. Concrètement, donc, au niveau de l'organisation de la journée, donc, ce matin, on est parti à l'extérieur pour accompagner une dame dans le besoin, dans une association de dons vestimentaires. Et l'après-midi, du coup, Alexandra a pu participer à un entretien aussi avec une autre dame. On a travaillé sur des démarches administratives Tout ça. et on a fait également des visites, une visite à domicile. Franchement, c'est très intéressant. C'est comme quoi on peut voir de tout et surtout le but, mais en fait, c'est de pouvoir aider et recevoir. Alors, du coup, de mon côté, j'ai lu les témoignages des éditions précédentes. Du coup, l'idée m'a vraiment plu et j'ai voulu faire découvrir mon métier déjà à une personne qui le souhaite pour qu'elle puisse concrétiser, elle, de son côté, son projet professionnel, voir si c'est ce qu'elle souhaite vraiment faire ou pas, répondre à ses questions, me rendre disponible. Et aussi le partage, surtout, qui soit dans les deux sens, et passer aussi une journée conviviale dans un cadre aussi bienveillant. C'est la première fois, je ne connaissais pas du tout et je me suis dit oh, pourquoi pas. On apprend tous les jours, donc pourquoi pas apprendre autre chose, voir ce qui me plaît vraiment. C'est aussi bah, pour montrer que certes j'ai un handicap, mais je peux être une personne, je mets bien des grands guillemets, une personne lambda qui peut faire toutes les choses qu'elle voudrait faire. C'est wow, il n'y a pas d'autre mot, on voit tout. Et pour ma part, du coup, c'est enrichissement.